terrassé. Satan le diable, il est terrassé au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, il est terrassé. Alléluia. Du Satan est terrassé. Alléluia, alléluia. Alléluia, restez debout, alléluia. Avec les mains en l'air, vous qui croyez dans la victoire, la puissance, de l'autorité du Saint-Esprit. Non, alléluia. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. M'a d'accord faiblesse. M'a d'accord pour m'a tombé. M'a d'accord pour m'a reculé. M'a d'accord, alléluia. Pour ma terre. M'a d'accord, alléluia. Combien tu m'as d'accord ça? M'a d'accord, m'a d'accord. M'a d'accord faiblesse de cœur. M'a d'accord, m'a d'accord. M'a d'accord faiblesse de la vie. Alléluia, alléluia. Je prends l'autorité. Alléluia. Madako sa bouchura, Madako Shima, Adesana, se bouchura monte, se pour la puissance monte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, non, alléluia. Alléluia, Lord. Lord, je sais que ma Lord. Nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. 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 Satan, il est là pour nous tacler. Il est là. Alléluia. Pour envoyer de l'eau. Alléluia. De l'eau glacée. Pour nous affaiblir. Mais je déclare. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Qui est le feu. Alléluia. Peut transformer. Quel que soit eau glacée. Alléluia. En eau bouillante au nom de Jésus. Qui est du feu. Qui est du feu. Jésus. Mais bien aimé, dans le verset que nous venons de lire, nous voyons bien, il s'agit de la Pentecôte. Et quand on voit la Pentecôte, on voit directement le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi c'est ces deux mots-là que je vais utiliser à travers ma prédication. Le mot à souligner, c'est la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Et le deuxième, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et voilà la définition de la Pentecôte. C'est, eh bien, un mot qui vient du grec. Pentecosta, excusez-moi, Pentecosta qui signifie 50 au 50e. Pentecosta, c'est-à-dire que c'est le fusion du Saint-Esprit 50 jours après la résurrection de Christ. Parce que quand on parle de la Pentecôte, on fait référence aussi à la résurrection de Christ. Et c'est pourquoi, eh bien, le sujet tombe bien une dimension spirituelle pour une vie de vie de victoire. pas planifié pour la matière. J'avais pas planifié d'être présent à Shiba, mais Dieu l'a planifié. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu a planifié cela, il sait que l'église de Shiba a besoin de cette prédication ce matin. Alléluia, alléluia. Que Dieu fasse ce qu'il veut faire à cette église ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. C'est 50e jour après la résurrection de Christ. Puisque Jésus, il était mort, mais il est vivant. Et le jour de la résurrection, il a crié aux morts,
Oh mort, où est ta victoire? Alléluia, alléluia. Oh mort, où est ton aiguillon? Ça veut dire que la clé de la mort, la clé du séjour des morts, Jésus l'a saisi et Jésus est victorieux. Si Jésus est victorieux, je déclare que vous êtes victorieux ce matin. Oh, la victoire est à vous en ce matin. Criez victoire. Victoire est à moi. Victoire est à l'église de Chine. Et certainement, avant dans l'Ancien Testament, on fêtait aussi la Pentecôte. Et qui avait une autre signification, toujours avec le chiffre 50. Parce que Pentecosté, c'est 50-51. Ça, c'est du grec, du latin. Et voilà que, eh bien, dans l'Ancien Testament, on fêtait, eh bien, 50 jours après la fête de prémices, eh bien, la Pentecôte. C'est important qu'on connaisse la Bible aussi, hein, en termes de formation. Dans Lévitique, chapitre 23, le verset 16, eh bien, 50 jours après la fête de prémices, on fêtait la Pentecôte. Mais en ce matin, ce qui nous intéresse, c'est pas 50 jours après la fête de prémices, mais c'est 50e jour, alléluia, où l'effusion du Saint-Esprit a été donnée. Alléluia, le Saint-Esprit qui était descendu comme un feu dans la salle où les disciples restaient dans la prière. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, en ce matin, nous ne serions pas là. Sans la Pentecôte, l'Église ne serait pas existée, puisque l'Église a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Et si je vais et puis un peu anticiper, et c'est ce jour-là que l'apôtre Pierre, il va prêcher plus de combien de conversions? Plus de combien? Plus de 3000 âmes se sont données au Seigneur. Et là, l'Église, alléluia, a été inaugurée. Cette Église que Christ avait promis, alléluia, en Matthieu 7, il a dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Avec Pierre, il dit, je bâtirai mon Église. Et c'est la naissance de l'Église de Jérusalem, la première Église. Et ce qui est important pour vous en ce matin, s'il n'y avait pas cette inauguration, si cette promesse qui a été faite sur la vie de Pierre n'était pas exaucée et n'était pas accomplie, l'Église ne serait pas là, puisque la porte du séjour des morts serait l'abouti. Mais puisque la promesse de Dieu sur Pierre, et il a utilisé Pierre pour annoncer l'évangile, 3000 âmes se sont données au Seigneur. Et la deuxième partie du promesse, il dit, la porte du séjour des morts n'est pas évoluée pour les contraire. Alléluia. J'aime bien cette déclaration. Ça veut dire que, alléluia, Satan le diable, il peut attaquer l'Église. Il peut faire des tentatives. Mais puisque Dieu, alléluia, puisque Jésus lui-même, il a déclaré la porte du séjour des morts n'est prévenue point contre elle. Ça veut dire que Satan ne peut pas créer Shiba. Satan ne peut pas anéantir Shiba. Satan ne peut pas enlever la vie. Satan, alléluia, ne peut pas me tuer, car ma vie est entre les mains de la porte du séjour des morts n'est plus évoluant pour écouter. On va connaître qui pousse ça, Dieu. On va connaître combien de flèches que l'ennemi avait lancées. Tu ne sais pas combien de complots qui se manigancent contre l'Église de Chiba. En ce matin, certainement,
puissance à très profonde pour l'église de Dieu. Une exhortation, une mise à garde. Oh, alléluia! Le Saint-Esprit m'a poussé pour vous dire que l'église de Shiba, vous êtes en guerre avec Satan. Vous avez des ennemis qui se soulèvent contre vous, contre cette église. Mais au nom de Jésus, je déclare, alléluia, la porte du séjour des morts n'est pas prévendront point contre l'église de Shiba. L'église de Shiba est victorieuse. L'église de Shiba est remplie du Saint-Esprit. L'église de Shiba a la manifestation de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, la victoire est à nous. La victoire est à l'église de Shiba. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Alléluia. Dieu vous aime. Le combat que vous êtes en train de mener, je ne connais pas l'église. D'ailleurs, si pasteur ne m'appelle pas, eh bien, on ne parle pas de l'église. Peut-être je vois des frères, des sœurs. On dit comment va l'église. Mais rien d'autre. Mais le Saint-Esprit m'a révélé en ce matin. Vous menez un combat. Un grand combat. Avec Satan et Dieu. La chair et le sang ne peut pas vous donner sa victoire. L'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme, la connaissance de l'homme ne peut pas vous donner cette victoire. Cet esprit et cet esprit seul. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et comme Jésus, alléluia, a inspiré à travers la parole pour dire aux serviteurs de Samis, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Tu m'environnais comme des abeilles, tu m'accueillais comme des abeilles, mais au nom de l'Éternel, je le taille comme pièce, je le taille comme pièce, je le taille comme pièce. Alléluia! Est-ce que vous voulez dire ça? Je le taille comme pièce, Satan. Je le taille comme pièce, et plus visible. Je le taille comme pièce, et plus visible. Je le taille comme pièce, et plus intestinal. Je le taille. Je le taille. Je le taille. Je le taille comme pièce. Je le taille en pièce, 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 je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai, je mourrai pas, je vivrai, et je raconterai. Alléluia! L'église de Shiba ne peut pas descendre. Elle devait aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là. Et quand la puissance du Saint-Esprit est là, notre victoire est assurée. Alléluia. Notre victoire est assuré. Alléluia. Satan veut nous engloutir, mais non de Jésus. Notre victoire est assurée. N'ayez pas peur. Votre victoire est assurée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit.
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit me remplit. Ma victoire est assurée. Quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère change. La déception change. Alléluia. L'expédition change. Quand le Saint-Esprit est là, il y a la force. Là où il y avait la faiblesse. Quand le Saint-Esprit est là, alléluia, il y a la libération. Que là où il y avait l'emprisonnement. Et je déclare liberté. Libération. Dans ce cas, libération. Dans une âme, libération. Au nom de Jésus, là, il y avait la faiblesse. Alléluia. La faiblesse est remplacée par la puissance. Par la puissance. Par la puissance. Par la puissance. Alléluia. Par la puissance. L'amour change en vie. Car Jésus a dit, alléluia, votre victoire est assurée. Parce que le Seigneur a dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. L'Éternel parlait, l'éternité a maillé. L'Éternel parlait, ton roche qui roulait. L'Éternel parlait, ton miracle qui glaçait. L'Éternel parlait, ton chêne qui pétait. L'Éternel parlait, ton guérison paille. L'Éternel parlait, alléluia, la bénédiction des âmes. L'Éternel parlait, alléluia, nous sommes redoublés de force.